mon premier pas. Hein. Sur le balcanique ici, à Zagreb. Comment tu te sens? Ah, il fait chaud, hein? On ouais, est bien, hein? On est encore très bien. Alors, c'est ici qu'on vient d'arriver. C'est la belle chaleur du sud. Hell yeah. Après Bucarest et Istanbul, nous voici maintenant. Nous voici Zagreb, précisément. C'est vraiment une super belle place. L'architecture est vraiment écœurante. Il y a des petites fontaines qu'on a vues tantôt. Ici, ils vont donner un spectacle ce soir. Et puis, un petit peu plus tard, on va aller prendre des bières, bien sûr, manger la bouffe qui paraît qu'elle est délicieuse et se promener un petit peu dans la ville pour avoir une petite journée relax enfin. Parce qu'on s'entend que l'atmosphère à Istanbul, c'est pas la même chose du tout. C'est beaucoup plus stressé, les gens se faufilent, il y a des tramways qui rasent de frapper à tout bout de champ. Et là, ici, c'est vraiment plus calme, plus tranquille. Et puis, my God, ça fait quand même du bien. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, mon Jay? Et est-ce que la ville est belle? Yeah! Good job! Low five! Yeah. On est en plein cœur de la place centrale à Zagreb. On a eu notre première bière de la place. Puis en même temps, on est très chanceux parce qu'aujourd'hui, comment on appelle ça? Un petit marché. Une là, avec foire, le fun. Il y avait plein de dégustations incroyables de trucs. Enfin, encore là, des fromages délicieux, mais beaucoup de trucs qu'on n'avait pas mangé encore. Bon, une espèce de gelée qui était dégueulasse, mais sinon tout le reste était vraiment délicieux. Encore là, pour faire changement, on est encore près d'une fontaine. Histoire de continuer avec le thème. Et puis on est dans une place super intéressante parce que c'est. Il y a la statue ici qui est si connue. Et on voulait. Ton nouvel achat. On est en ce moment en plein centre de la ville haute qui s'appelle Gradec, à Zagreb-Euro, l'église Saint-Marc en arrière de nous, avec les tuiles qu'on voit, les blasons de la ville, de la Dalmatie, tout ça, c'est assez spectaculaire. On a le palais du président à côté, puis juste de l'autre bord, ben, c'est le Parlement. Fait que c'est vraiment là, une belle place centrale, puis il n'y a pas trop de monde en plus. Fait que, on se fait bien du fun. Je sais pas de quoi tu parles. On savait pas il y a deux heures.